autre rando aujourd'hui. On est en feu en fin de semaine. Et là, on est plus loin, plus au nord du parc. Et on a commencé le sentier du Skotora. Là, on est entre deux montagnes. On longe un ruisseau avec des belles cascades. Puis, ben, je pense que les points de vue devraient être très bien. Sauf que c'est pas chaud. C'est encore plus froid qu'hier. Et il annonce même un mix de pluie et de neige ce soir. On aime le challenge. Donc, ça va être très bien. Je vous montre ça. Le territoire du parc de la Jacques-Cartier était à l'origine utilisé par les montagnais et les Hurons comme territoire de chasse et comme chemin d'accès entre Québec et le lac Saint-Jean. À partir de la deuxième moitié du 19e siècle, l'activité forestière avait déjà commencé. Et à la suite de certaines pressions visant la protection du territoire public, le gouvernement a créé le parc des Laurentides en 1895. C'était un début pour la protection de ce territoire. Mais il était encore pas trop protégé puisqu'on permettait l'exploitation forestière et minière. En 1972, Hydro-Québec a soumis un projet de construction d'une centrale hydroélectrique sur la rivière Jacques-Cartier, qui aurait eu comme conséquence de noyer totalement la vallée. Face à la pression populaire, la Société d'État a été obligée d'abandonner son projet. Et en 1981, avec la nouvelle loi sur les parcs, le parc national de la Jacques-Cartier fut créé. Grâce à tout ça, bien aujourd'hui, on peut profiter d'une super promenade qui serpente entre les montagnes. Le sentier du Skotora est un des sentiers les plus exigeants du parc. C'est le plus long, avec 15,6 km aller-retour. Par contre, disons que le dénivelé n'est pas trop intense, avec un 500 m d'ascension pour atteindre le sommet du mont Andante à 809 m. Bref, un sentier vraiment le fun, avec des vues agréables et un belvédère vraiment magnifique, avec une vue imprenable sur la vallée. Zombie.